Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Mathieu Guillon de Kennametal nous dévoile l'original solution développée par la société destinée à l'alésage de carters de moteurs électriques pour l'automobile. Bienvenue sur le site Kennametal. Nous montrons ici sur une spécialité pour le domaine automobile. En particulier, on pense au futur et à l'environnement. Et on parle beaucoup de e-mobility, donc les voitures changeant de moteur à explosion vers des moteurs électriques. Et la particularité de ces moteurs électriques est d'avoir un rotor de grande dimension pour lesquels nous avons besoin quand même d'un alésoir de fort diamètre et faire cet usinage. Pour ces grands alésoirs, le poids devient un problème. Donc nous montrons ici des outils réalisés en impression 3D, donc en additive manufacturing. Donc sur ces deux outils, vous voyez deux options comparées à l'option classique d'un outil qui va faire 20 kg, soit un outil complètement réalisé en additive manufacturing en acier, mais qui est réduit à un poids de 11 kg. Ou un outil où l'impression 3D a été associée à de la fibre de carbone pour faire un outil de 9 kg. Ces poids réduits sont importants par rapport à la manipulation de l'outil par les humains, mais aussi par la broche et par les changeurs d'outils dans la machine pour pouvoir réaliser ces grands diamètres. Le porte-outil lui-même est en acier, la finition dans l'aluminium est bien sûr faite aussi par des outils en PCD qui sont réalisés en Allemagne pour le marché européen. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.